Bonsoir tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui, déjà pour vous faire un petit coucou et pour vous montrer des petits courriers que j'ai reçus et vous montrer comment j'ai enfin rangé mes dies. J'ai enfin pu me faire comment les ranger comme je voulais et de façon pratique. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça et aussi une petite commande que j'avais reçue de chez AliExpress que j'avais commandé il y a plus de 2 mois et que j'ai enfin reçu. Hein, il a mis le temps, mais bon. Et donc voici Fifi d'abord. Alors Fifi en ce moment elle nous fait des comment? Elle nous fait peur parce que là ça fait 2 fois maintenant. Comme je vous ai déjà montré plusieurs fois, elle a un de ses paniers qui est en haut du living, puisqu'elle grimpe par son arbre à chat pour y aller. Et cette semaine, elle est tombée 2 fois du haut du living. Donc bon, on dit que les chats, ça peut tomber, ils se font pas mal. Bon, elle s'est pas fait mal, mais elle m'a fait bien peur parce que la première fois, elle est tombée sur le dos. Elle n'a pas eu le temps de faire son demi-tour pour tomber sur les pattes, elle est tombée sur le dos. Mais bon, voilà. Donc elle nous a fait un peu peur. Et là, bon, ça, elle va bien, elle a rien, elle a mal nulle part. Donc, et on a remis son panier d'une autre façon. Parce qu'en plus, elle passe vraiment sur le bord du living pour rentrer dans son panier, au lieu de rentrer directement dedans. Et donc, elle a raté la marche. Voilà. Donc, bon, le living fait quoi 1,90 m peut-être de haut. Ouais, je pense. Donc, ça faisait quand même une belle petite chute. Hein. Mais bon, elle va bien. Donc, c'est le principal. Allez, je vais vous montrer donc d'abord AliExpress. Donc, AliExpress, c'est des petits nounours que j'ai commandés. Que j'avais commandé, c'est pour moi faire des bijoux de sac ou des bijoux de planeur. Attends, hop, mets-toi comme ça, mon puce. Alors, d'abord, ces petits nounours là, voilà. Alors, je n'ai pas encore ouvert. Je vais vous montrer, parce qu'à travers le plastique, on les voit pas bien. Hop, 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 ne passe pas devant. Voilà. Donc c'est des mini nounours, tout petits. Donc là j'en ai un bleu, j'en ai deux blancs cassés, voilà comme ça. Je sais pas si on voit bien. Un rose et un marron. Voilà, donc le dernier c'est encore un blanc. Hein. Donc ça va me permettre de faire des bijoux qui seront dans ma boutique dès qu'ils seront faits. Donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Ensuite, toujours des nounours, mais un peu plus grands. Désolée pour le bruit. Bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est un de mes poilus qui gratte le coussin. Il fait son petit ménage. Donc là j'en ai 3. Voilà. Attends, Fifi, tu es devant la caméra. Voilà. Merci. Désolée, je l'avais pas vu. Donc voilà, les petits nounours blancs avec le petit nez marron. Donc là j'en ai 3, comme ça. Voilà. Ensuite, toujours des nounours. Oh non, c'est des lapins. Pardon. C'est des petits lapins. Donc des petits lapins comme ça. Voilà, donc il y en a 3 blancs et 2 marrons. Enfin marron clair. Voilà. Sont tout mignons, je les aime bien. Et là, par contre, je pensais que c'était un peu plus petit, mais bon. C'est des têtes de lapin, on va dire. Donc là, il n'y en a que 2. Désolé pour le bruit. Voilà. Donc là, il y a déjà la petite attache, mais je vais mettre des choses en plus, hein, dessus, bien sûr.
Donc un petit lapin bleu. Et non, ne passe pas devant la caméra. Et un petit lapin rose. Voilà. Voilà. Tu reviendras après. Et alors le cadeau, ils ne se sont pas foulés. Ça, c'est le cadeau qu'il y avait avec. Bon, je ne sais vraiment pas ce que j'en ferai, mais bon, c'est rien. Voilà. Alors ça, c'était AliExpress. Ensuite, j'ai reçu. Alors là, c'est de qui? De Clémence, qui m'a envoyé une petite enveloppe avec des stickers. Alors, celui-là, d'abord, avec le plastique, ça reflète. Vous ne voyez pas bien. Je ne sais pas de quel magasin ça vient, par contre je ne saurais pas vous le dire. Regarde si ce serait marqué dessus. Non. C'est la marque Petit Déco. Calligraphie. Ça vient de chez GMZ. Je ne connais pas. Hop. Allez, voilà. Donc là, il y a plusieurs feuilles. Hein. D'abord, celui-là. Celui-ci. Mets-toi comme ça, ma mémère. Voilà, comme ça, maman n'a plus de place. Celui-là. Voilà, décidé. Hein? Voilà. Donc c'est tous les petits mots hein, en stickers. Je pense que je m'en servirai pour mes planeurs. Voilà. Elle a décidé. Non, allez. Va manger, maman t'a mis ta gamelle. Et celui-ci. Voilà, donc ça c'est le premier paquet. Et ensuite, c'est toujours des stickers. Voilà, alors, je vais l'ouvrir. Fifi ne passe pas devant la caméra. Voilà. Font un peu vintage ceux-là, ils sont super beaux aussi. Comme ça on verra peut-être mieux. Je sais pas. S'il n'y avait pas un bon retour, alors je ne sais pas comment vous voyez. Voilà. Donc là c'est des étiquettes. Hein. Donc c'est. Ils appellent ça les vintage stamp stickers. Donc, ce que je disais, hein. Là, un petit alphabet, là, des tampons, en stickers, et là, des lignes, donc, voilà, donc ça, c'est ce que j'ai reçu de Clémence, avec un petit mot, bien sûr, voilà, j'ai un petit mot. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe d'Isabelle, ma poulette, qui, elle, m'a envoyé des découpes et elle m'a fait une jolie carte voilà, sur le thème de Noël, hein, déjà. Elle est toute mignonne. Bon, il y a un petit mot aussi, bien sûr. Elle m'a refait des tampons. Alors ça, je sais que c'est Noz, ça vient de chez Noz. Voilà. Et ici, elle m'a mis plein de petites choses. Alors, des tampons. Je ne sais pas si, comment vous voyez. Voilà, un tampon, un tampon.
Voilà, les papillons, les petits mots. Un pi, un tag, là c'est une phrase, mais bon c'est en anglais donc je regarderai ce que ça veut dire, une petite souris, encore un papillon, des rubans, je ne sais plus le nom, encore une souris, j'espère que vous ne cherchez pas à... Après, une tête de cheval, des petits mots, un Père Noël, ça va bientôt être la période, hein. On prépare. Mes petits mots, papillon, encore un petit ruban, des fleurs, des mots pour Noël, là une fée, des tampons, des petits cadeaux, des fleurs, voilà. Encore des fleurs, des papillons, encore une fleur, là tous les petits mots, et petites souris. Ensuite, elle m'a mis de la petite ficelle dorée. Ça, ça va me servir pour mes cartes de Noël. Une découpe de fées en papier brillant. Des petits nœuds. Voilà. Des petites étiquettes brillantes. Une bobine de fil. Et un papillon. Et ensuite elle m'a mis des embossages. Alors celui-là je l'adore. Je sais pas si vous allez bien le voir par contre là du coup. Si je mets trop près ça va être flou. Donc j'espère que vous voyez. Donc c'est des oiseaux sur une branche. Donc elle me l'a fait en bleu, en beige. Après elle m'a fait des embossages comme ça. Celui-là vous voyez mieux. Et un embossage avec des papillons. Et encore un grand tampon. Voilà. Donc ça, c'était de ma poulette. Merci, merci à toutes les deux, Clémence, Isabelle. Ça me fait toujours, toujours plaisir de recevoir des petites enveloppes. Et donc maintenant, alors je vais vous montrer. Donc, c'est lourd. Ce que j'ai fait donc pour ranger tous mes dies, parce que j'en avais marre de les avoir dans la pochette, là, vous savez, la petite pochette à souffler de chez Action, tout était mélangé, en plus j'en avais des tout petits, je retrouvais rien, ça me prenait la tête. Donc ce week-end on a été faire les courses pour les courses alimentaires, et il me fallait quelques produits pour le nettoyage de la maison. Donc là pour les produits, on a été à Action. J'ai d'ailleurs, on n'est même pas passé dans le rayon loisirs créatifs. J'ai dit j'y passe pas parce que je veux pas voir ce qu'il y a. Donc j'aurais pas pu me les acheter. Et on est passé dans le rayon là où il y a les cadres photos, voilà, les cadres photos, les albums photos, tout ça. Et il y avait donc ça. Voilà, alors je vais essayer de relever la caméra pour vous montrer mieux. Voilà. Alors magnet photo paper. Alors c'est dedans il y a deux feuilles A4. Normalement c'est pour que vous puissiez imprimer vos photos. Voyez. Donc, ça passe à l'imprimante.
Bon, j'ai pas essayé hein, parce que moi je veux pas m'en servir pour les photos. C'est un papier qui passe à l'imprimante mais qui est aimanté et qui est assez épais quand même. Donc j'ai pris ça. Bon, j'en ai pris plusieurs paquets. Je vais même dire que j'ai pris ce qu'il y avait dans le rayon. Il y avait 9 paquets dans le rayon, donc je les ai pris. Mais bon, c'était pas cher. C'était 9, c'était 99 centimes le paquet. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Je vais vous ouvrir. Donc vous en avez deux. Voilà, donc bien sûr, côté noir aimanté. Et derrière, c'est blanc. Si vous souhaitez donc imprimer directement vos photos dessus pour pouvoir les mettre sur le frigo. Bon, c'est assez souple, hein. Donc là, moi, j'ai mis dans un classeur. Ça bouge pas. Voilà. Bon, je pourrais peut-être remettre un petit carton entre deux, mais pour l'instant ça va, ça tient, donc il n'y a pas de problème. Donc du coup voilà, j'ai remis tous mes dies dans un classeur, voilà, avec des gros jolis toutous. Et voilà ce que ça me fait. Et maintenant, je suis tranquille. Bon, je ne les ai pas encore tous mis, il m'en reste quelques-uns à mettre. Voilà. Et maintenant, je retrouve mes dies, premier coup d'œil, je suis tranquille. Donc il y en a deux par pochette, voilà. Donc c'est un peu lourd, hein, mais ça va. Voilà. Et la dernière page, je crois. Ouais, voilà. Donc là, ouais, là il me reste à ranger cela. C'est les dies avec les tampons de chez Action. Donc là, je pense que je vais faire avec une feuille cartonnée, coller une partie de feuille aimantée et en bas ou alors en haut, ça, je verrai bien, coller les tampons. Voilà, donc mais ça je ne l'ai pas encore fait, je verrai dans la semaine ou ce week-end pour continuer. Donc voilà pour aujourd'hui. Et sinon, je voulais vous montrer mes créations que j'ai faites ce week-end, mes cartes. Je reviens tout de suite, je vais vous les chercher. Donc voilà, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3. Sur le thème de Noël, c'est des cartes qui vont partir dans ma boutique. Donc la première, voilà, donc vous reconnaissez hein, avec les tampons et les dies des gnomes hein, de la revue anglaise. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, donc là c'est du papier Action, là en dessous aussi c'est les cartes Action bien sûr. Donc, voilà. Une deuxième toute simple, voilà, donc là elle peut se poser comme ceci, donc pareil, papier action, et ça c'est des die cut, alors je crois que c'est Toga, je ne saurais plus vous dire exactement, mais je pense que c'est Toga, voilà, donc avec des petites perles, des demi-perles stickers de chez Action, vous voyez. Et donc à l'intérieur, j'ai fait un petit rappel. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Donc là, ça fait comme une petite porte, hein, fermée avec un petit nœud. Donc on voit le Père Noël et Noël. Donc c'est les die cut, je vous dis, je pense que c'est Toga. Donc là, sinon, à part ça, c'est tout Action. Et sauf... la page ici, donc là je sais plus la marque, je ne vais pas vous la dire. C'est des pages de scrap, donc 30-30, mais autocollantes. Voilà, elles sont autocollantes. Et donc là, c'est pareil, il y a un petit rappel à l'intérieur. Donc voilà, bon, vous voyez, j'ai pas fait grand chose ce week-end. J'ai super mal aux dents, donc je suis pas tellement motivée. Mais bon, ça va être. Voilà, on doit me retirer en urgence deux dents.
Et donc j'attends qu'il me rappelle là, pour me donner le rendez-vous et que j'y aille. Donc voilà, en même temps, ça m'a permis de vous faire un petit coucou. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Vous avez fait plein de belles créas aussi. Hein. Donc si vous faites mes créations, n'hésitez pas à venir me les montrer, hein, soit par email, soit sur mon Facebook. Voilà. Vous avez toutes les adresses en barre d'infos. Et on se retrouve très rapidement, car je vais essayer de filmer. Oups, pardon, je vais passer comme ça. Je vais essayer de filmer aujourd'hui pour la FIMO. Voilà, donc le numéro 7. Bon, je suis un petit peu en retard hein, parce que le numéro 7 est sorti mardi. Là, on est lundi. Donc demain, le 8 sort déjà. Et la créa de la semaine, c'est ça. C'est cette bague, une bague pyramide. Voilà, donc on a eu en cadeau un pain de fimo bleu marine numéro 35 et un support de bague. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire la vidéo aujourd'hui de ça. Et puis demain, du coup, il y aura une autre vidéo. Ou si je vois que ça va vite, bon, je vais peut-être attendre demain et puis vous faire les deux vidéos en même temps. Je verrai bien. Je vais voir comment je me sens et puis. En sachant que demain, ça y est, je vous raconte encore ma vie. Demain, j'ai rendez-vous à 17h à l'hôpital privé de près de chez moi. On va me mettre plein de petits trucs sur la tête, sur le torse, voilà, pour me faire des examens sur l'apnée du sommeil. Voilà. Donc je vais à l'hôpital pour ça. Ils vont me mettre tous les appareils sur moi et je rentre tout de suite chez moi. Donc les tests se feront à mon domicile et je retourne donc mercredi matin rapporter l'appareil. Voilà, puis j'attendrai mes résultats. Bon, j'espère que ça j'en ai pas parce que l'apnée du sommeil, j'ai vraiment pas envie d'avoir ça et d'avoir la machine là, qui. Non, ça, vous voyez, j'ai eu des maladies assez, très graves. Mais ça, ouais, il y a des personnes qui me disent, oh, c'est juste une machine. Ouais, j'ai déjà essayé parce que j'avais des patients qui en avaient. Donc, je m'étais amusée, enfin, si on peut dire s'amuser, à mettre le masque sur le nez. Bon, non, je ne peux pas respirer, moi, avec ça. Donc, mais non, il n'y aura rien. Je suis sûre qu'il n'y aura rien. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais ranger tout ça. Donc, je vois si je vous fais la fimo aujourd'hui ou demain. De toute façon, je peux faire la filmer aujourd'hui ma fimo et attendre demain avoir l'autre numéro. On verra comment je vais faire. Voilà. Et à l'occasion, je vous remontrerai ce que j'aurais fait avec mes petits nounours. Voilà. Et si ça vous intéresse également de voir ce qu'il y a dans ma boutique, n'hésitez pas, il y a pareil, il y a le lien dans ma barre d'infos. Tous les clients sont les bienvenus. Hein. Oui. donc voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!